Bienvenue dans notre Senso Espresso, notre rendez-vous qui a pour but de vous donner un éclairage sur les situations de marché singulières. L'inflation reste un sujet extrêmement important pour les marchés. Les investisseurs anticipent une normalisation de celle-ci, notamment en 2023, à un rythme qui nous paraît bien trop important. Post-pandémie, la réouverture des économies couplés à des initiatives budgétaires et monétaires, ont propulsé l'inflation à des niveaux que l'on n'avait pas vus depuis 40 ans. Cette inflation est considérée comme transitoire, car de nombreux facteurs qui l'expliquent ne sont pas censés se répéter. C'est ce qu'on appelle des effets de base. Le problème, c'est que les effets de base qui doivent rendre cette inflation transitoire tardent à se manifester. C'est même pire. On observe notamment aux États-Unis que l'inflation progresse à tous les niveaux. La plupart des produits qui la composent, 90% des produits qui la composent, sont désormais bien au-delà de 2%. Si ce n'est pas un effet temporaire, c'est probablement un effet monétaire, comme le disait Milton Friedman, l'économiste américain, en 1963. Aujourd'hui et près de deux décennies plus tard, il nous semble que les économistes doivent désormais intégrer la création monétaire pour expliquer ce phénomène d'inflation. La création monétaire n'a jamais été aussi spectaculaire. Cette liquidité, on la retrouve dans les réserves excédentaires des banques où elle est estimée à 1 000 milliards de dollars et également dans la facilité de repo de la réserve fédérale où on l'estime à 1 600 milliards de dollars. Le lien entre l'inflation et la monnaie en circulation peut par exemple s'observer dans l'évolution du prix des logements aux États-Unis. Cette évolution a été de 19% en 2021, soit la plus forte croissance depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce facteur a eu pour effet de renchérir le coût des loyers aux États-Unis, qui pèse pour près de 40% dans la composition de l'inflation. Si Milton a raison, l'inflation ne baissera que lorsque la masse monétaire sera épongée par de nombreuses hausses de taux. Alternativement, et c'est probablement notre message central, il est probable que l'on s'habitue à vivre avec un niveau d'inflation plus élevé.